Bonjour à tous, c'est Doc McCoy, on se retrouve pour le test de In the Hunt sur arcade, édité et développé par IREM, sorti en 1993, sorti donc en arcade, également sur PS1 et Saturn en 95 et sur PC en 97. On incarne en fait les courageux pilotes des sous-marins Grand Via pour empêcher une organisation militaro-terroriste appelée la Dark Anarchy, Dark Anarchy Society. Alors, où sont mes boutons? Voilà, c'est là. La Dark Anarchy Society crée en fait il veut créer une arme surpuissante sur la Terre pour conquérir un monde déjà post-apocalyptique, puisqu'il y a déjà eu la guerre, etc. Hop, donc là on va choper les bonus si j'y arrive. Hop. Donc on dirige les sous-marins dans un jeu qui est développé par la même équipe, enfin une équipe de développement qui a rejoint ensuite le studio Nazca, qui est à l'origine des premiers épisodes de Metal Slug, notamment le 1. Et du coup, vous verrez qu'au niveau graphisme, au niveau ambiance, on retrouve quand même une ambiance, militaire, type moitié contemporaine, moitié seconde guerre mondiale. Avec des armes surpuissantes qui sentent un peu la rouille, déjà, bizarrement. Comme dans Metal Slug, en fait. Hein. Donc, on a une touche pour tirer une arme principale, une touche pour tirer une arme secondaire, qui est une arme... vous voyez qu'en surface, c'est des missiles, qui permettent de toucher notamment les avions, les choses comme ça, ou les bâtiments qui se trouvent au-dessus de nous. Et quand on est sous l'eau, c'est soit ça peut être des mines, ça peut être des mines qui montent à la surface, et également des charges sous-marines. C'est le même bouton qui déclenche la même chose. Et le tir principal, c'est des torpilles. Sachant que moi, je suis un malin, j'ai fait comme sur Super Nintendo sur la plupart des shoots, j'ai mappé les deux tirs sur la même touche pour éviter de devoir choisir en fait. Donc les puristes diront que c'est pas comme ça qu'on fait, etc. Là, j'ai changé d'arme secondaire. Vous avez le choix entre l'arme A et l'arme M. Donc le A, c'est celui qui fait les ballons et les charges. Enfin, les charges, il y en a toujours. Les ballons et le missile, enfin les tirs qu'on peut diriger en surface. Et là, c'est plutôt des missiles, notamment missiles comme là à tête chercheuse. Et en fait, comme souvent dans les shoots, si on prend toujours la même arme, sa puissance augmente. Par contre, si on change de type d'arme, la puissance revient à zéro. Là, quoi que non, même pas. Parce que là, j'ai quand même chopé. Alors, on va rechoper le M. Normalement, là, j'ai plus de missiles. Par contre, mon arme principale, elle a pas du tout été upgradée pour l'instant. Parce que j'ai pas chopé de bonus en forme de flèche. Vous voyez, ça rappelle le. Merde, je me suis fait toucher. Ça rappelle un peu le vaisseau du général, du dictateur dans Metal Slug. Hein. Ça rappelle un peu son espèce d'aéronef qui le sauvera de plusieurs situations périlleuses. Là on a un tir, ça c'est le tir de base de l'arme secondaire qui tire en hauteur. Oh là 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 là, c'est chaud ça. Ah bah je me suis fait shooter comme ça, ça c'est fait. J'aimerais bien vous montrer une autre arme principale. Bah tiens, en voilà une. Donc là c'est le missile subsonique qui crée une grande traînée comme ça sur lesquelles les ennemis vont venir se faire dégommer. Donc ça c'est les canons à glace qu'il faudra shooter. Là, vous voyez, je me mets au-dessus du sous-marin, ça tire des charges sous-marines. Par contre, attention, il y a des canons partout. Donc là, premier continue, bien sûr. Le tout début de la partie, j'ai survécu anormalement longtemps. Je vous rassure, ça va pas être le cas tout du long de ce test. Ça reste un shoot'em up, même si c'est un shoot'em up qui a la particularité d'avoir un scrolling non imposé. En tout cas, sur la plupart des niveaux, il y aura un niveau quand même où le scrolling sera imposé. La plupart des niveaux ont un scrolling que nous choisissons, on choisit son rythme, ce qui en fait un shoot relativement mou dans la direction, mais pas pour ce qui est des ennemis. C'est loin d'être un shoot facile, c'est un shoot IREM, hein, donc les spécialistes du shoot. Oh putain, en arcade on n'a pas d'auto-fire, hein, naturellement, faut bourriner le bouton. Si on veut tirer, il faut bourriner le bouton. Vous voyez que le canon à glace, il nous fige, mais il nous tue pas. Par contre, les ennemis, eux, ils vont pas se gêner pour nous buter si on est gelé. Hein. Lui, il est bloqué. Je sais pas pourquoi. Hop, vous avez
Vous avez des étoiles aussi qu'on peut choper, qui sont comptabilisées à côté du score. Au bout d'un certain nombre d'étoiles, j'imagine qu'on gagne des points ou une vie. Et le score, bien sûr, bon, alors, hein. Vous avez un timer aussi, c'est-à-dire que pour contrebalancer ce côté scrolling libre, on a un timer. Et si on prend trop de temps, on va choper une autre arme, voilà, des missiles ultra rapides. Voilà, putain, je me suis pas, voilà. Et vous l'aurez compris, quand on se fait tuer, on perd nos armes. Hein. Premier boss, donc lui, assez simple, il suffit de rester là où je suis. Et juste d'éviter ces missiles-là. Et après, ses autres armes, elles sont absolument inoffensives. Comme ici. Tant qu'on reste là, c'est absolument inoffensif. Ça va. Il y a pire comme boss. Mais il est très dangereux si on s'amuse à se promener ailleurs dans le tableau. Normalement, on peut pas se faire tuer si on se met là. Ça va, lui, il est sympa. Il est sympa comme boss. Hop, donc bon, on a déjà battu, je vous ai parlé des bonus, donc les bonus AEM, les bonus donc rouge c'est les torpilles pour l'arme principale, la flèche rouge c'est les torpilles, la bleue c'est les torpilles subsoniques avec la traînée en hélice derrière la torpille, et les verts c'est les torpilles à fragmentation, donc qui lâchent plein de petits morceaux. Et vous voyez qu'on peut jouer à 1 ou 2 joueurs, et quand on joue à 2, celui qui a battu le boss a une espèce de petit écusson sur sa carlingue pour signifier que c'est lui qui a tué le boss. Ça se faisait souvent ça en arcade, c'est pareil dans Sunset Riders, quand on bat le boss en fait on a plus on a tiré sur le boss, plus on a de points. Ah merde. C'est simple, faut se mettre au-dessus d'eux et lâcher des charges et ça va tout seul. Sinon ils sont très longs à dégommer au-dessus mais pas n'importe où. Parce que vous avez là des... Il nous lance des missiles sur la partie arrière du sous-marin. Il lance des missiles. On a un petit bouclier quand on réapparaît, mais ça dure pas longtemps. Et vous voyez, c'est un jeu qui est, je vous disais tout à l'heure, que c'est considéré de par son scrolling comme un shoot un peu mou. Mais par contre, au niveau des ennemis et des tirs, c'est pas mou du tout. Hein. Là, forcément... Ces missiles là, ça doit vous rappeler Metal Slug, obligé puisque c'est quelque chose qu'on retrouvait dans Metal Slug, ça, les missiles à passer comme ça. Ils sont casse-burnes avec leur mine là. Ici on peut détruire le pilier pour faire tomber l'autoroute. C'est une cité engloutie. Qui dit scénario futuriste, dit montée des eaux bien entendu. Oh là là, oh là là. Et voilà, je me suis fait shooter. Vous voyez là, le petit tir de merde. Alors que d'habitude, on a soit des missiles, soit des tirs orientables. Ici, on va devoir shooter des immeubles pour passer au travers. Putain, allez, j'aurais pas dû me faire toucher, là. Parce que normalement, il y a des charges. Voilà, bon, ok, ici, hop. On peut shooter ici les morceaux d'immeubles. Et il y a des bonus étoiles cachés. Ici on peut pas ressortir, mais ici oui. Donc, ces trucs là c'est chiant. Les lance-mines là, ils sont pénibles. Il faut vraiment trouver le bon rythme pour passer au travers. Wow, 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 wow. Attention. Voilà, c'est bon. Alors par contre je me suis fait avoir par le canon. Voilà. Ah merde. Surtout qu'on a un sous-marin qui est relativement lent. Enfin, les sous-marins, c'est pas des modèles de vélocité non plus à la base, hein, mais alors là ça c'est parfaitement bien retranscrit. Ici, toujours les bonus. Il faut trouver la sortie de l'immeuble qui est ici. Hop, pour pas descendre trop bas parce qu'il y a ces petites merdes là. Voilà. Hop, on reprend les bonus. On fouille, on trouve les bonus. Vous voyez, c'est pas mal. Hein. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le visuel du jeu. Hop, on a des graphismes qui sont fins et détaillés. Ça rappelle, encore une fois, je vous dis, je répète. J'attends le M. Voilà. Ça rappelle énormément Metal Slug, de par
la patte graphique, l'ambiance, déjà le boss, les boss, il y en a plusieurs. Faut pas hésiter à se mettre là, comme ça, pour bourriner le... Alors bien sûr, il monte, hein. Bourriner les boss. Il lance des missiles, donc attention, il monte aussi. Il y a une technique, hein, parce que je la connais pas, donc je bourrine. Je fais mon bourrinos, voilà, j'en ai eu un. Faut pas hésiter à buter aussi les trucs qui nous balancent des bonus, bien sûr. Donc là, comme il n'y en a plus qu'un, c'est un peu plus simple. En tout cas, c'est plus simple de pas se faire toucher. Par contre, voilà, c'est bon, je l'ai eu. Petit upgrade au passage. Donc graphisme fin et détaillé avec beaucoup d'effets d'explosion, des gerbes d'eau à la surface, des lasers, etc. C'est assez impressionnant pour l'époque. Le côté Metal Slug bien sûr, mais pas que. La façon dont les sous-marins implosent, enfin notamment notre sous-marin, mais pas que, hein, ça ressemble quand même beaucoup aux phases où il y a des sous-marins dans Metal Slug. On a des phases où on affronte des petits sous-marins ou des U-boats. Nous-mêmes, on a un sous-marin. Les sous-marins ennemis quand ils explosent, ça ressemble exactement à ce qui se fait dans ce niveau. Et ici pareil, vous voyez, on a un mélange de on va avoir un mélange de niveaux de portuaires et d'habitations un peu japonaises. Et ça rappelle aussi le niveau dans Metal Slug 2, le niveau où il y a les habitations japonaises. C'est très un mélange guerre contemporaine et seconde guerre mondiale, assez sympa. Alors, j'ai réussi à... J'allais dire, je ne me suis pas fait toucher, c'est curieux. Maintenant, je me suis fait toucher. Vous voyez, le port japonais, typiquement, avec les petites maisons, là. Ouais, ça ressemble beaucoup. Notamment la façon dont ça explose et tout, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on avait dans Metal Slug. Mais je l'ai déjà dit, je vais pas le redire. Vous avez compris l'idée. Les petits mechas là. Vous avez compris l'idée, vous avez compris l'affiliation. On voit bien que c'est la même équipe de développeurs qui ont fait les deux. En tout cas, une partie de l'équipe. Une partie de l'équipe qui a réalisé ce In the Hunt est à l'origine de Metal Slug. Des premiers Metal Slug chez NASCAR. Aïe aïe, c'est passé. Ah, c'est passé, je sais pas comment quand même. C'est passé, je sais pas comment. Au niveau du background, je vous ai parlé de l'histoire du jeu, mais en réalité, il n'y a pas grand chose qui est dit dans le jeu par rapport au background, hein, par rapport à cette histoire de Dark Anarchy Society. Il n'y a pas grand chose qui est dit en réalité. On peut buter ce truc. Vraiment, il faut buter ce truc là. Il tremble de plus en plus. Voilà, il se fait sauter le pont, le train. Choper des points là. Des étoiles et des points ensuite. Hop, encore une nouvelle arme. C'est les missiles à fragmentation. Vous voyez, ça explose et ça fait plein de petites gerbes. Un boss. Hop. Donc si je vous parle. Merde, si je vous parle des musiques et des bruitages, on a du grand spectacle. Musique nerveuse. Gros effet sonore. Encore une fois, hein, même ambiance metal rock que dans un Metal Slug. Même ambiance. Hein, l'ambiance dont on se réjouit évidemment. Puisque ben. Souvent, quand vous avez des shoots arcade, pas que, hein, shoot arcade ou shoot console, souvent c'est soit du futuriste, soit de la Seconde Guerre mondiale. Ici, on est sur une alternative, c'est-à-dire ça, on est sur du contemporain, mais avec des armes qui ont l'air déjà quand même datées, qui pourtant sont surpuissantes. On a un mélange d'armes conventionnelles avec des vieux sous-marins, des vieux tanks, etc. Et des lasers, des trucs assez... des trucs à plasma et tout le bordel qu'on peut trouver dans les armes futuristes. Voilà, donc c'est un mélange des deux qui est assez bienvenu, assez sympathique. Et on sort un petit peu des sentiers battus.
une fois, on sent bien que les développeurs étaient déjà inspirés pour le projet de Metal Slug qui allait suivre. C'est un jeu qui se boucle en 3 quarts d'heure. C'est correct pour le genre, hein. Sachant que si on joue à 1, 2 joueurs ou si on finit le jeu en 1 crédit ou pas, on a des fins différentes, ce qui est toujours appréciable, même si c'est pas évident, c'est pas facile de les débloquer. Bon, bah voilà, hein, ça reste un shoot'em up, donc c'est très 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 facile comme vous pouvez le voir, même si moi j'ai l'excuse toujours du fait de commenter en jouant, c'est très 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 facile de crever, hein, dans ce type de jeu. C'est très facile de mourir et de perdre des crédits, c'est vraiment des jeux qui sont autant sur MAME, c'est très facile de finir ce genre de jeu puisqu'on a les crédits limités. Par contre, finir ce genre de jeu en un crédit à un ou deux joueurs sans mourir ou presque, c'est quand même pas facile, hein. Donc il faut pas hésiter, faut se faire plaisir. Après, si vous voyez pas les fins alternatives, bah tant pis, hein, mais ou alors faut s'entraîner. Le jeu relativement linéaire comme tous les jeux du genre, puisque il n'y a pas de chemin alternatif, comme on pourrait se dire, tiens, c'est les gens de Metal Slug qui ont fait ça, donc il va y avoir des chemins alternatifs comme dans des différents chemins dans les niveaux comme dans Metal Slug 3, non, parce que c'est pas les mêmes équipes qui ont fait Metal Slug 3 et Metal Slug 1 et 2. Déjà de 1 et de 2, c'était pas encore aussi avancé que ça. Donc dans ce jeu, point de chemin alternatif, vous avez vu des cachettes pour les étoiles, mais à part ça, rien de secret. C'est essentiellement linéaire comme jeu, hein. Et c'est souvent le cas des jeux du genre shoot'em up avec des passages secrets ou des chemins alternatifs. Il n'y en a pas non plus 50. En tout cas, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. C'est plutôt un genre assez linéaire. C'est assez rare d'avoir le choix du chemin. Oh putain. Grosse bubite. Gros serpent. Et les effets de flammes et tout ça qui sont assez redoutables ici, hein. C'est assez beau. Et lui, en fait, il faut descendre avec lui, il nous suit, en fait. On pourrait se dire c'est le boss, mais non, c'est pas le boss. Et on aura d'autres, je crois. Oui, voilà, il y en a plusieurs. Donc, c'est une grosse bubite et il faut faire avec, quoi. Il nous tourne autour et il faut la buter. Et on n'a pas trop le choix. En tout cas, on a rechopé les ballons. Qui est une arme assez inutile. Moi, je préfère l'autre arme, mais j'ai pas fait gaffe que c'était le A. J'aurais voulu le M. Voilà, j'ai réussi à le buter. Donc, In the Hunt, c'est un jeu que j'ai choisi de vous tester parce que vraiment le côté nerveux et la filiation évidente avec Metal Slug m'a séduit. J'aime bien les shoot'em up, même si je suis très très mauvais. C'est un shoot'em up qui est accessible, même pas facile, hein, mais dans son défilement, en fait, c'est un jeu qui est pas non plus beaucoup trop rapide ou trop plein de petites boulettes pour moi. J'ai réussi à m'en sortir. Hop, donc je valide. C'est pour ça que je vous l'ai choisi. Après, voilà, ça reste un jeu qui n'est pas facile, hein, bien sûr. On pourrait le qualifier, je vous ai dit, de relativement mou. Même si, on va attendre que le truc repasse au vert. Voilà, comme ça j'ai la bonne arme. Ah, la bonne. Oh putain. J'ai une arme upgradée et je me fais buter. Un gros dragon. Lui il est super super dur. Parce que vraiment il couvre tout l'écran. Vous voyez, c'est hop les tirs. Faut se mettre au milieu et tout, c'est n'importe quoi. Ça commence à se corser là à partir de là. Et en plus j'ai plus de crédit. Donc je vais remettre des sous. Sinon faut faire comme ça, faut bourriner. On perd des vies mais on s'en fout. Si le boss est trop dur, on bourrine, on se met en haut contact. On perd des vies mais on s'en fout. Aïe aïe aïe. In the Hunt, on pourrait presque dire que c'est un shoot basé sur l'univers de Metal Slug, tant on sent que c'est les mêmes personnes qui sont derrière. On va bourriner parce qu'on va pas s'en sortir sinon. Moi je vous montre le niveau suivant. Voilà, c'est honteux mais c'est pas grave. Le choix du sous-marin est original, ça confère une excellente ambiance au soft, ça le cantonne à un shoot entre guillemets, vous voyez, je fais le symbole des guillemets avec les doigts pendant que je vous parle. Un shoot entre guillemets plutôt mou, mais c'est quand même visuellement très nerveux. Il se passe beaucoup de trucs à l'écran et c'est quand même pas facile d'échapper aux boulettes. Là, vous allez voir le niveau avec entre guillemets encore une fois un scrolling imposé parce qu'on est poursuivi par une espèce de golem.
plus. En fait, il va monter, voilà. Il va monter, donc on est obligé de lui échapper. Hop. Donc il faut pas traîner. Pas traîner dans le coin. Et en même temps, on a les méchants qui essayent de nous buter. Hein. Donc eux, même technique que dans le niveau 2. C'est pas le niveau final, attention. Hein. Il y a encore un niveau après, si je dis pas de conneries. Je pense pas. Mais bon, voilà, vous voyez un peu le délire. Donc ce niveau-là, on va dire qu'il a un scrolling imposé, même si ça défile pas tout seul. Mais on est quand même obligé de se dépêcher. Parce qu'il y a ce truc-là, ce golem, cette statue qui nous suit. Mais encore une fois, on sait pas trop pourquoi. On sait pas trop ce qui s'est passé ici. Ah, hop, on va buter les briques. Attention aux robots là. Voilà, ils nous sont tombés dessus, bien sûr. Et ainsi de suite. Aïe, putain, bon. C'est un jeu qui a testé évidemment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça, même si c'est parfois, vous l'aurez compris, un peu brouillon. Hein, visuellement, il se passe beaucoup de trucs, c'est vite le bordel. Surtout à deux. Quand on joue à deux à ce jeu, c'est du grand n'importe quoi. Et on meurt très très vite, on perd très très vite les crédits. C'est vraiment pas un jeu facile du tout, et y compris en commentant. Hop, donc là je crois, oui, si j'ai pas de conneries, il faut que ça lui tombe sur la tronche, ces trucs là. Il faut se mettre au-dessus de sa tête pour que ça lui tombe dessus en fait. Il faut tirer sur le plafond. Voilà, hop, paf, paf. On continue. Bien sûr, ça peut nous tomber dessus aussi. Hein. Faut faire gaffe, ça peut nous tomber dessus également. Lui, il est pas tombé. Voilà, hop, il perd des yeux et tout, c'est dégueulasse. Un boss assez assez moche, assez dégueu, assez gore. Bim. Grosse patate de forain. Parce qu'apparemment il avait pas que deux mains. Voilà, bon après c'est... hop là, c'est bon, on l'a eu. C'est assez sympa. Donc un jeu très nerveux, bande son très nerveuse, finesse des graphismes, quelques ralentissements par-ci par-là. Mais vraiment un jeu exceptionnel que je vous conseille, parce que voilà, j'ai adoré l'ambiance. Assez dur, mais n'hésitez pas, foncez. Bon, de préférence sur arcade, hein, puisqu'aujourd'hui il est accessible via MAME. Après, voilà, il est sorti sur PC, alors en big box en Allemagne et pas ailleurs, on sait pas pourquoi. On n'a jamais compris pourquoi. Et puis sinon, sur PS1, sur Saturn, c'est un jeu que certains d'entre vous ont peut-être connu également sur ces supports-là. Merci à tous d'avoir suivi ce test de In The Hunt sur Arcade. A bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Doc McCoy. Salut!